Bonjour à tous, c'est Jex et aujourd'hui on se retrouve pour Yakuza 0 qui est un jeu vidéo d'action-aventure développé par le Ryoga Gotoku Studio et édité par Sega. Donc il est sorti en janvier 2017 sur PlayStation 4 et sorti le 26 février 2020 sur Xbox One et PC. Donc pour le petit pitch, en fait il s'agit d'un épisode se déroulant avant les événements des pins de Yakuza en 1988. Le joueur incarne Kazuma Kiryu et Goro Majima aux âges respectifs de 20 et 24 ans. Donc pour le petit pitch, Kazuma Kiryu est accusé d'un meurtre dont il est parfaitement innocent et il doit donc se blanchir de toute accusation. De son côté, Goro Majima, responsable d'un cabaret lucratif, fait face à un dilemme. Tuer quelqu'un et retrouver son rang au sein des Yakuza ou faire fructifier son commerce. Voilà, donc on va découvrir cette aventure prenante ensemble. Comme d'habitude, en mode normal, c'est parti. La violence du coup de pied. この街で喧嘩になら、ちゃんと相手を選べ。大金持ち歩いてるとか、特にな。Quelle classe! La réale est folle. Comme toujours dans les Yakuza, franchement. Il n'y a pas à dire, dans cet épisode 0, dans les deux Kiwami, et dans l'épisode 6, ainsi que Judgment, le moteur graphique est complètement dingue. Franchement, c'est une réale de haute volée. Surtout que nous sommes sur la version PC en ultra, 60 FPS, franchement, il n'y a pas à dire, c'est magnifique. Regardez-moi cette ambiance de folie. Nous sommes en 1988 dans le quartier, comme d'habitude, de Kamurocho. Donc un quartier fictif, mais recréé de toutes pièces avec une ambiance totalement nippone de l'époque. Ok, ils sont en train de faire chier des meufs. Donc des petits jeunes là. Ils savent pas à qui ils parlent. J'adore. Et tout du cul. Quand il va voir sa tête, je pense qu'il va pas sourire. Ah le lâche. La queue entre les jambes, vraiment. J'adore. J'adore cette ambiance. Elle est géniale. Donc cet épisode est un peu à part parce qu'il se passe vraiment à l'époque, dans les années 80.
C'est vraiment une époque japonaise que j'adore. Avec les furios, donc les voyous, comme il y en avait beaucoup dans les années 80. Et les bandes et tout ça. Yo! T'annonce de oita shigoto. Do? Owarimashita. Chotto futo ga. Kono mama de isuka? Voici l'argent qu'il devait. Sonna koto kini shinai de ii. Mukidashi daro ga kane wa kane. L'argent est de l'argent. Dojima-gumi-san-wa-shigoto-hayakute-tasukaru-yo-hai-gore-yakusoku-no-ichi-wari 10% comme promis. Ouah, c'est toujours ça de prix, hein. De, kore-wa-ore-kara-no-kimuchi-ne. Il y a un petit bonus pour moi. Donc on lui dit que c'est pas nécessaire, mais bon. Moi, je le prendrai quand même. Futsu-nara-honshoku-no-hito-ni-konna-yasui-gaku-no-tori-tate-tanome-nai-kara-ne. Demo... 同年代のガキどもが万札ちらつかせてタクシー乗る時代に本職の君が金もないんじゃ様になんねえだろ。まあ、これは俺が。ファーストアトンションのアパロン。ありがとうございます。しかしバカに金貸しちまうと後が面倒でしょうがねえな。30万ポッチ捨てんのは簡単だが。 C'est assez spécial, les cinématiques où ils se parlent en chant contre chant. Donc on ne les voit pas vraiment bouger, mais il y a quand même une animation. C'est franchement pas mal, c'est une sorte de... C'est une mise en scène assez spéciale, mais propre et bien faite. Pourquoi tu ne viens pas travailler pour moi? Pourquoi tu ne viens pas travailler pour moi? いい女を好きなだけで開ける。それだけじゃない。金さえあれば。時には生活も可能だ。いや、クザは下積みが長い。でも、僕のキャラクターは、自分で生きて稼ぐってのもいい選択だと思うんだが。今は、全然働いてない。そんな前にその言葉を聞いてれば、そうしてたかもしれませんけど、一度極道になったもんは、時間を巻き戻せない。 Une fois qu'on est Yakuza, on ne peut plus revenir en arrière, c'est ça qu'il dit. C'est ta réponse. Si tu changes d'avis, téléphone-moi. On se voit plus tard. C'est quoi ce trou du cul? C'est vraiment ce qu'il pense. C'est vraiment bien fait. Franchement, la mise en scène est vraiment pas mal. Waouh. La réal est mieux faite que dans les deux remakes de Yakuza Kiwami. Ça, c'est clair et net. C'est du niveau de Judgment. Y'a pas à dire, c'est vraiment une saga à part. Ça, c'est les téléphones verts classiques qu'on trouve partout au Japon. Hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu. Ah, un beeper. Oh là là, ça fait des années que j'en ai plus vu. Donc, je me disais, oui, les téléphones verts, ce sont les téléphones publics classiques qu'on trouve partout au Japon.
la bande son elle en jette aussi, y a pas. Regardez-moi ça, Travi. Oh, génial. Je suis totalement dedans. Chapitre 1. Bein Beinhoft. Ça se présente bien. Ok, donc on va devoir appeler à mon avis ce numéro. Je t'attends. Ok. Bon, je dois retrouver. Fine Nishimier, j'ai pas su lire son nom. Quoi. Donc on va regarder un peu la réalisation, voir comment ça. Franchement, c'est classe. Hein. C'est un cran au-dessus de Yakuza Kiwami, je trouve. Du premier, parce que le 2, je ne l'ai pas encore fait. On le fera aussi dans la semaine. Personnellement, c'est oufissime, il n'y a pas à dire. Le niveau de détail est impressionnant. Donc on est toujours dans le même quartier de Karamusho. Hop, pardon. Des loubars qui sont en train de gratter un gamin. Donc comme j'avais dit, il y avait des furios, hein, donc c'était le temps des loubars au Japon, hein, dans les années 80. S'il vous plaît, quelqu'un aidez-moi. Bon. Est-ce qu'on va tourner la tête ou est-ce qu'on va l'aider? On dirait bien l'aider. J'ai envie d'un peu de baston. Voilà. On aurait pu aller tout droit, mais j'ai préféré l'aider. What do you want? Et attends, c'est pas Yakuza lui. Il fait pas lâche. C'est sûrement pas Yakuza. Vous êtes nouveau dans la ville? C'est Ok, ils leur ont voulu. Ce sont des hooligans de la rue. Allez, c'est parti. Donc, on va voir ce que ce Yakuza s'y a dans le ventre. Ok, on a tout à fait la même sensation que dans Judgment. Deux, trois, voilà. Ok, alors appuyez sur Y et X pour faire un combo performant. Okay. Ok. Voilà. Alors, la jauge jaune, ok, indique notre vie. Ok, c'est parti. Alors appuyez sur B pour, comme d'habitude, dans chaque épisode, pour attraper nos ennemis. Voilà, tiens, ramasse dans ta tête. Hein. Toi, tu vas ramasser. Vous allez tous ramasser. Attention, voilà, et oh, faites pas les malins, là, parce que moi, je vais vous mettre une de ces patates. Bon, oh, tiens, ramasse, hein, qu'est-ce que tu crois, toi? C'est pas à qui tu parles, ça. Ah, j'adore. J'adore ces jeux de baston de rue. Franchement, c'est vraiment mon kiff total. C'est vraiment un kiff de pouvoir mettre une petite branlée à des frappes. Hein. J'adore ça. Donc pour l'instant j'ai vu qu'on avait qu'une posture, on n'avait pas plusieurs postures comme dans Kiwami
ou dans Judgment, mais à mon avis, ça va venir. Voilà donc le personnage. Et le voilà, il fait partie de la famille d'Ojima. Je me battais pour tuer le temps, ok. On va aller se faire un massage. Je suis pas intéressé. Donc les Yakuza sont forts sur les meufs. Hein. Et sur les prostituées et les danseuses. Hein. Le look de la chemise. Je viens de dire merci. Merci d'être venu. Ikuzo Nishiki. Franchement, la réal claque sa race. Il n'y a pas d'autre mot. Franchement, c'est exagéré. Mais quelle classe folle, quoi. On voit que notre personnage, le héros de toute la série Yakuza, donc c'est toujours le même, est vraiment jeune. Hein. Il a juste la vingtaine, là, mais il est toujours aussi classe. Et il a une de ses prestances de dingue. Ce qui est bien fait, c'est que les rues ne sont pas si propres que ça. Il y a des poubelles, des ordures un peu partout. C'est vraiment réaliste. Le style fashion, c'est pas mon style. C'est pas mon truc. Les gens, qu'est-ce qu'ils voient tous, ce sont les belles voitures, les belles fringues. Donc en fait, lui, il fait vraiment attention à son look. Il voudrait qu'on fasse attention à notre look à nous. Donc voilà, à Pink Street, il connaît un petit spot bien sympa. On pourrait se marrer. Pourquoi pas? Ça, y'a. Ah, c'est classe, on s'y croirait, franchement, c'est totalement dépaysant. J'adore. Franchement, j'ai totalement adopté la série Yakuza. Hey, salut toi. C'est génial parce que les personnages vous abordent vraiment. Donc on marche là vraiment comme si on allait vraiment boire un verre.
Bah, regardez-moi la bagnole. Franchement, regardez-moi les reflets. C'est quand même vachement bien fait. Il n'y a pas à dire. La réal est vraiment belle. Hein. Purée. Ah, franchement. Les producteurs et Sega ont vraiment fait un travail phénoménal. C'est vraiment une saga qui a une âme, qui a vraiment. C'est dingue, c'est complètement dingue. Ça a dû demander vraiment énormément de travail. De plus, le doublage n'est pas en reste. Franchement, ils ont pris tous les acteurs confirmés, les acteurs japonais connus, pour faire le doublage de cette saga. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est une saga maintenant. Donc, il y a déjà 7 épisodes de sortie. Enfin, 6 plus le 0, donc 7. Et le 8ème qui s'annonce vraiment dantesque. Hein. Donc, Yakuza Like a Dragon, où on incarnera un nouvel héros, hein, qui sort le 10 novembre normalement sur. La plupart des plateformes et sur les nouvelles générations. Donc moi je l'achèterai sûrement sur sur la nouvelle génération, sur Xbox One à mon avis. Ça c'est certain. C'est un des premiers jeux que j'achèterai Day One. Qu'est-ce que c'est? Une bagarre? Viens, on va aller voir ça. Bah si c'est de la baston, obligé, on va voir. De plein mort. Come on! T'es sur ma route. Vas-y, quand même, ton problème, frère. T'as un problème. Ils sont complètement bourrés. Hé, hey, vieux mec, à qui tu parles? C'est qui le vieux mec? Tu pues du nez. Little punk. Espèce de petit con, c'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est vraiment une baston de plein bord. Est-ce qu'on va s'en mêler? Est-ce qu'on va pas s'en mêler? Ok, pourquoi pas. On va les rendre plus sobres avec mon poing. Donc là, sa technique à lui. Encore. C'est par charité, c'est pour vraiment les rendre plus sobres. On va leur faire comprendre que c'est pas bon de boire. Allez, c'est parti, on va mettre la misère. Drunk Cart. Alors. Donc la jauge bleue, ok, ouais. T'as l'assurance des coups. Le sang qui gicle carrément. Toi, viens ici, toi. J'adore des trucs qui font cette saga. C'est génial. Ça défoule, c'est chouette, c'est. Franchement, ça dégringue. Oh bordel, la tête dans le mur. Oh là là. Putain la pêche. Non, j'adore, franchement j'adore. Les coups sont très violents. On ne peut que s'extasier devant un jeu pareil, c'est pas possible. Franchement, ça a vraiment une ambiance de folie, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais qui êtes-vous? Je me souviens d'avoir écouté de la musique dans le bar.
Et puis j'ai parlé avec et puis ouais, donc ils ont été saoulés. Ça a servi à quelque chose de leur foutre une branlée. Allez, retourne à la maison. Et voilà, ils sont de nouveaux potes. N'importe quoi. On leur fout une branlée pour leur mettre les idées à place. Donc maintenant, ça nous est sous la gueule. Allez, compléter certains challenge pour gagner des points de compétences. Ok. Donc on peut voir en mettant sur le menu pause la liste complète. Ok. Ouais, ok, on verra ça par la suite. Ça, il est quoi ? On va quand même regarder vite fait. Donc les habilités, on peut pas encore en avoir accès. Hein. Donc vu qu'on est au tout début du jeu. Ok, on verra ça par la suite. Donc on va suivre notre pote dans le bar. What was the damn shame I said? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, le look. J'ai juste aidé un couple de gars complètement alcoolisés. C'est tout. Yes. Your Japanese mafia. Donc il me prend vraiment pour des yakuza. Yes. M'appelle garçon. Ne le prends pas comme ça, que gamin. Comparé à moi. Ah. C'est rien, ça casse. Hey. Qui veut vraiment nous. Tu veux un ami, attends-moi. You've got something to say, make it quick. Donc désolé, je dois lire pour traduire ma thèse à chaque fois. Make it quick. Ok. Ask my boy, a special lecture just for you. Ouais, donc ok, il va nous apprendre pour les habilités. Donc on peut upgrader maintenant toutes nos habilités sur la roue. Qu'est-ce qu'on veut? Donc on a 30 000 yens. Et qu'est-ce que coûte une habilité? Faut voir. Donc par exemple, ça c'est quoi ça? Attendez, parce que je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Ah ouais, j'ai capté, ok, j'ai compris, j'ai totalement compris. Voilà, donc ok, avec les 30 000 yens qu'on a gagné, on pouvait, donc on l'a acquis, il nous reste 270 000 yens, ok, donc on peut acheter pas mal de... Ok, donc est-ce que je peux acheter celle-là? Elle a combien? 200 000... Ouf, 2 millions de yens, c'est un peu trop cher. Voyons voir ce que je peux acheter d'autre. 30 000, 2 000, 2 millions, 400 000... Ok, donc c'est quand même vachement cher. Hein. Donc j'ai acheté juste une habilité. On verra par la suite. Ok, donc en fait, ce gars nous a vraiment appris. Il nous a proposé et même il nous a appris à comment utiliser nos... Qu'est-ce que veut ce vieil homme? C'est quoi le deal? Ikuzo! Ikuzo! Regardez-moi ça, ces petites ruelles, comme ça, vraiment atypique. Hein. C'est vraiment atypique. Oh, comme c'est génial!
y a pas mal d'alcoolo quand même. Hein. Des gars qui dorment, des gars qui dégueulent. C'est vraiment classe, Karumosho. だから人が集まってくるんじゃねえのか最近の景気で金持った欲の塊みてえな連中がなそいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ飲んど不器用なりに一応分かってんじゃねえ西木山くん西木山くんよなんだあいつら<笑> Des filles qui sont au collège mais qui font l'hôtesse pour avoir de l'argent. Donc c'est vraiment des jeunettes quoi, de 16 ou 18 ans. Ah, c'est elle qui l'a appelé sur le pêcheur. Tu m'as pas rappelé. Promise. Pourquoi tu me croirais pas? Ok, je t'attendrai. Purée, comme elles sont habillées quand même, c'est quand même court, hein. Allez, tiens du fric. Yatta! Je te croirai à vie. Juste pour 2-3 billets. Oh, les femmes. Jeunette comme ça. いつの間にか大した顔じゃねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろ。けどそうじゃねえ。女とつながっとくことが大事なんだ。ん?いいか。組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。 Ah ok, en fait il les tient comme ça, vous savez, pour des infos sur ses yeux, sur ses oreilles. ああ、オッケー、オッケー、イレティアンコムサ、セペロデザンフォース、ソンセジュー、ソレ、トノムトキ、イロンノンナツレテクト、ソレダケデコズカイクレルシ、オレノクミデノオボエモメテタクナ。ドセゴクドヤルナ、ドンナテツカテモノシアガラナケイミガネ。チゴカ。ナルコレ。ソーカムシマエナ。サ、ミセアココダ。はい。 Ok, donc on est vraiment en train d'apprendre le job de Yakuza. Donc comme d'habitude dans chaque Yakuza, on se retrouve dans un bar avec notre binôme en train de saouler la gueule et de parler des choses de la vie. ボトルキープなんかしてるからよ。常連なのか。ちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう。店の門に顔も出る。安く。なるほど。お前は偉いよ。確かに見栄ってのを大事にしてる。おめえもこの世界でのし上がりたきゃ少しは見習えよ。 でも、おめえはそういうタイプじゃねえってことか。ほら、おやっさんの背中を。チェイジング、知らんか、そういうディアさん。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人の。ああ、オッケー。いや、もしかしたら。 おめえは今のままでいいのかもな。ん?おめえが下で頑張って、風間のおやっさんが出世すりゃ、おめえにも出世の目が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もある。ただ、おめえは風間のおやっさんの子じゃない。堂島組の組員なんだ。そやとは。おやっさん、なんで俺らのことを、 風間組に入れてくれなかったんだろうな。それは堂島組の方が格は上だ。よせよ。ドゥーズマダル。考えがあってのことだ。シュアキダセレゾン。そうだな。バイプロブレモン。よし。真面目な話はもうやめだ。カラオケでもして。
Allez, c'est parti pour un karaoké de folie. Ok. Ok, donc on va participer à un karaoké. Donc, c'est un party game, donc un read game. Donc, on va devoir appuyer sur des touches. Donc, comme des quick time event en fait. Ok, ça. Ok, sing, tambourine, maracas et clap. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Non, on va prendre ça. Là, on va se marrer. Bakamitai. C'est génial. Nom de Dieu. Les Japonais, ils adorent ça. I sing for you. Bakamitai. Kodomo nano ne. Yume wo. Ouais, je suis assez nul là. Ah, vas-y. Oh, ça fuite. Là, je suis pas doué, c'est chaud, hein. C'est pas si évident que ça. Hein. Enfin, moi, je suis pas doué pour ça, mais c'est pas mal. Franchement, c'est plutôt sympa. Un petit party game comme ça, c'est plutôt sympa. Donc, y a plein de petits de mini-jeux, hein, de toutes sortes dans les Yakuza, c'est connu. Hein. Au moins, ça brise un peu la monotonie pendant certaines enquêtes ou certaines bastons ou pendant l'histoire. C'est plutôt sympa et bienvenu, je trouve. C'est ça que j'adore. Ça fait vraiment un Nippon Wed. Mon score est de 60 titres, c'est pas terrible à mon avis. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Great, good, bad, mistake. Ouais, c'est pas terrible, terrible. Hein. J'aurais pu faire mieux. Mais c'était chouette. Franchement, c'était plutôt sympa. C'est comme dans Judgment, il y a carrément des bornes d'arcade avec 5 jeux Sega complets comme Virtual Fighter, Fighting Viper et des autres jeux. Et dans les autres Yakuza, il y a à chaque fois des jeux Sega. Ça, c'est vraiment cool. Et ils sont complets. Donc dans celui-ci, j'ai hâte de voir les bornes d'arcade. Alors après avoir chanté, ça m'a ouvert l'appétit. Est-ce qu'on bouge d'ici? T'as encore faim? Bah t'as qu'à me regarder manger. Yeah, ok. Ok, c'est bon. Donc on va aller damer un petit coup. Après un chouette petit karaoké, je dois dire que franchement j'adore les mini-jeux. Bon, c'est des mini-jeux assez communs, mais ça brise vraiment la monotonie. C'est un type d'ambiance très particulière, il faut aimer hein, le type d'ambiance nippone et japonaise. Mais moi, je suis totalement conquis et j'adore ce type, donc ces jeux sont totalement faits pour moi.
Regardez, c'est bien fait. Il y a des poubelles, des ordures. C'est pas aussi propre. Franchement, c'est vraiment génial. C'est cool. Des papiers qui volent. Donc, on passe sur la bouche d'aération. Il y a du vent. On sent la manette qui vibre carrément. Ah, c'est bien fait. Oh, c'est bien fait. Donc en appuyant sur RT, on n'est pas obligé de bouger la manette. Il suit automatiquement en fait le personnage. Donc on peut laisser aller et lire les dialogues tranquillement, sans toucher la manette. Donc voilà, nous voici arrivés. Donc comme on l'a vu, sur un bar à grillade ou à sushi. Hein. 6h50 du matin. Ok, encore la mise en scène comme tantôt. Statique, mais avec une ambiance assez particulière. Franchement, c'est très bien fait, je trouve. J'ai hâte de voir le fil rouge vraiment de l'histoire. Une fois que ça va démarrer en... Okay, donc la police a instigé sur j'ai pas vu. Ah, il y a une victime. La victime était résidente à Tokyo, elle avait 32 ans. Okay. Ah, il y a eu un meurtre à Kamurocho, ok. Merde, c'est le type qu'on a bastonné la nuit dernière. Et il a été retrouvé mort. Ça, c'est la merde. En plus, c'était à la place où on l'a attrapé. Merde, ça craint. Donc il l'a frappé, mais pas à mort, quoi. Il était convaincu qu'on est parti. Dis-moi, il y avait une caméra. Ouais, c'est lui. Là, on est dans la merde. C'est vraiment la merde. C'est juste de collecter de l'argent et il fallait pas le tuer. Nous on sait qu'on l'a pas tué, mais bon, ça va nous retomber dessus, c'est sûr et certain. Voilà, maintenant on vient de recevoir un SMS sur notre pager. On va devoir appeler un numéro, mais je ne sais pas qui. Ouais, ça semble ouais, comme tu dis. Ouais, tout celui de Jima connaissait ce type. Et la responsabilité va nous retomber dessus. Sûrement, elle va nous retomber dessus, c'est sûr. Ouais, le meurtre est vraiment une grosse merde, c'est vraiment... Ouais, les trois lieutenants de Dojima pour commencer, ça c'est clair. Ouais, c'est la merde. Même si c'est une rumeur, ça a commencé en fait. Oya-san
組の事情に詳しいもんが殺にチクったとしか思えねえ。でそれが誰かっていや、三人の若頭補佐の一人、クゼの兄貴だったって噂だ。クゼの兄貴がおやっさんを殺に撃ったってことか。もちろん証拠があるわけじゃない。でもよ、その件でおやっさんが無所に行ってからクゼはえらい勢いついてる。何しろ今は組に連絡するしか。そっか、わかった。俺はとりあえず知恵貸してくれる人。すまん。 OK。Donc là, vraiment, c'est les embrouilles qui commencent. Hein. Donc, comme j'avais dit, on va être accusé de meurtre. Or qu'on l'a laissé en vie en partant, quoi. Mais à savoir qui va nous coller ça sur le dos. Ok, comme dans les derniers Yakuza, il y a la gestion de jour et de nuit. Ça, c'est plutôt cool. Ok, je dois téléphoner. Donc on change littéralement d'ambiance du jour et de la nuit. Hein. Kiryu da. そっちで誰か俺のポケベル鳴らしたか。あ、はい。クゼの兄貴に言われまして。キリュウさん。OK、donc le lieutenant Kyuze veut qu'on vienne au bureau directement。若頭補佐のお三方が。Donc les trois lieutenants nous attendent。そうか。Ouais。Donc je sais pas du tout ce qui va se passer, et j'ai vraiment peur pour notre héros là. Franchement, je me demande vraiment ce qu'ils vont dire, ce qui va se passer, et pourtant on va leur dire juste la vérité, mais à mon avis on va nous mettre ça sur le dos, c'est pas possible. Ça va vraiment être la merde. Donc on doit aller au quartier général. L'ambiance change totalement du jour... Merde! Allez, c'est parti, des hooligans. Comment on les fracasse. Oui, donc vous avez remarqué, à chaque fois qu'on fait des méchants coups, on récupère en fait des yens. Donc ce qui nous permet en fait de dépenser de l'argent pour n'importe quoi, donc... Allez, des goodies, à boire, à manger, ou alors pour acheter des aptitudes. Toi, tu vas pas échapper. Tiens, le coup de boule de la mort, quoi. Ok, donc les yens montent très vite, hein, donc ça va. C'était ma faute, c'était ma faute. Bah oui, c'est vous qui venez me chercher. Bande de boyards. Voyons voir par rapport à la carte où j'en suis. Attendez, je vais regarder. Hop. Ouais, ok, donc je peux passer par là. Allez, encore un peu de baston. Rrrr. Ah, pour l'instant, vous avez remarqué, donc on a qu'une seule posture disponible, mais on aura droit à plusieurs postures, je viens de le remarquer. Oh. Comme on lui a éclaté la race. Ok, comme dans tous les autres Yakuza, on aura droit à d'autres postures, c'est génial. J'avais peur qu'on ait qu'une seule posture, mais ça m'étonnait. Hein. Ça m'aurait étonné sur un Yakuza 0 de cet Akami, de cette qualité, qu'on ait qu'une seule façon de se battre. C'était impossible. Donc là, je suis totalement rassuré.
ici. Où est l'office? Non, c'est pas là quand même. Non plus. Attendez, voyons voir par rapport à la carte où se situe l'office. Hop. Ah, le taxi, il faut prendre le taxi, ok. Voilà. Juste comme dans le spin-off de Yakuza, donc Judgment, pour se déplacer plus vite dans la ville. Et pour aller à certains endroits, en fait, on peut prendre le taxi. Donc voilà. Pour accéder à un autre quartier. Donc vous voyez, le quartier général est extrêmement protégé. Il y a des caméras, une grille électrique et à mon avis des gardes à l'intérieur. Donc ça rigole pas. La bande de petites frappes, enfin, de vrais voyous, quoi, je veux dire. Oh, oh. C'est ultra bien doublé. Ouais, ils disent qu'à cause de moi, ils ont interrompu d'importantes... leur travail important. Je suis désolé pour le délai. Est-ce que tu assumes? C'est un des patriarches des Shibuya. Kamurocho de Mitskata Shitai no Ken. Tesca. Oh, lui, il a vraiment une sale gueule, hein. Réa Goro Doro Jana. Réa! Cousin Aniki. C'est aussi un patriarche. Oh là là. Omani Torita de Otanonda Kanekashkara. Kumini Renda Guatena. カネカシ。東国クレジットの社長だ。おい。あの社長に頼まれて仇ぶっ殺せなおめえだろ。もっとも、あいつは自分のせいじゃねえって、早速逃げ打ってやがったがな。たかが30万程度の小銭の取り立てで、本社を下手打つとも思っていなかっただろうからな。 Le problème, c'est que c'est pas un. Ah, Yakuza, c'est un civil qui est mort. Donc ça fout vraiment la merde pour le business. オレに捕まれた。なんかこれ、それでおかみと手打ちするとして。それより問題は、あの場所からどう人目をそらすかだが。そうだな。そうだね。面倒なことをしてくれたもんだ。 あの場所ってどういう意味すか？とぼけんじゃねえよ。おめえが死体を捨てていった場所だ。おい、ギリ。おめえよりによってなんであの場所でやったんだ？え？まさか風間の頭の指示ってわけじゃねえよな。おやっさんの指示って？なんでおやっさんの名前が出てくるんすか？ 聞かれたことだけに答えた。レフィスデプト。なんであの場所を選んだ？カジラの指示じゃねえのか？え？で、ボビーオザー。チャカはどこで手に入れた？
それも頭から渡されたのか。ジャカ、一体何の話をしてるんですか。De quoi il parle de la pièce? 俺は銃なんか持ってません。Et il n'a pas de pistolet en plus. C'est quoi ce bordel? On va le tuer. Il a été blessé par un coup de tête. Tomine a été blessé. Sats n'a pas encore été révélé. Donc il a été tué par pistolet par balle. Son histoire. D'ailleurs, si tu as tué le corps, ce n'est pas moi. Je l'ai juste frappé pour le tuer.Ouais, on l'a pas tué par balle, on l'a juste roué. Si c'est la vérité, tu vas être enfermé par quelqu'un. C'est ça. Mais je ne vais pas tuer un arme. Ouais, donc il. L'autoculé dit qu'on raconte que des conneries. Oh, Kiri.Écoute, Kiri. もう一度聞くぞ。なんでわざわざあの場所で騒ぎを起こしたんだ。金貸しからの指示だったんです。あの場所に相手を呼び出すから、少し痛い目に遭わせてから金を取り立ててくるって。Ah, on devait dire juste de collecter l'argent, c'est tout. 間違いねえな。ええ。どうやら金貸しから話聞く必要がありそうだな。とはいえ、うちの組があの殺しに関係していたっつうのは事実だ。しかも場所は場所だ。このままじゃ、あっちの仕事に支障が出ちまう。どうするよ、クゼナ兄貴。答えは一つだろ。さあ、それポシビリティ。Celui avec le costume mauve, c'est vraiment une saloperie. Hein. Nani ga nanda ga wakanne tte tsura da na. Ouais, il me dit qu'on est totalement perdu. Rei no shitai ga mitsukatta ano basho wa na. Azo ga.通称からの一坪って厄介な土地なんだよ。お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、堂島組長から俺ら頭補佐の3人にどんな手使ってもそのからの一坪を手に入れろとな。からの一坪、針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一坪の空き地だ。それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。だがその場所で堅気の死体が見つかった。あの土地が世間の目を引いちゃ地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。ああ、それがおやっさんとどんな関係が。あの一坪にはな、別の意味もあってな。堂島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。褒美？おう、不在の風間の頭の後、堂島組次期若頭のポストだ。Le prochain capitaine de du Peugeot Rocky。Okay. あの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。まあ最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが。Ah, ok, en fait il est en train de. J'ai compris, ça va, j'ai compris. Je suis en train de me faire. Il sert de nous en fait. Oyasan va donner nous.
さあな。だが組の一大臣に部署にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ仇をぶち殺しまったとあっちゃきっちりけじめつけねえとな。Ils ont des protocoles pour ça, ok. それで俺も殺しはやっていません。そういうことは殺に言え。つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうな。On va dire ça aux flics qui vont quand même nous arrêter, c'est clair et net. C'est obligé. Ils ne croiront pas. 殺には今日中に実施しろよ。それと円骨めどけや。お前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。Si j'ai bien compris, on doit couper son petit doigt ou alors on doit dire au revoir. Ou alors c'est que j'ai mal traduit. Ouais, en tout cas, ça craint. Ouais, on sait pas à quoi il joue, hein. Encore le vieux. C'était pas des flics, en fait. The old guy, donc le vieil homme de l'année dernière. Ça fait des heures qu'il nous cherche. Parler, ok, ouais. Speak of the devil. It is the kids, ouais, c'est le gamin. Pourquoi il nous parle de ça? You, this has a good thing to do with me. Okay. Okay, alright, I pay you the money. With choice. $2 million. You wanna pay me true, like you're gonna buy that you're drunk off your ass, old man. You got the money, be happy to give it to you, heaven. On one condition, yeah, and what was that? You have your tank back, they fight us for it, he beat her three for us,
the 2 million hearts, you win and we don't owe you a thing. Huh? Shit! You're not drunk, you're crazy. Bruno's family around here for busty hits. Three of you could rush him and at same time on he snap your leg twigs. No. You're fucking able to. You don't need me thinking it's the money of your cops, yeah? No. I go first. Hey, you haven't seen it. Are you sure you want to do this? Say, say, bien. Just a little workout. You focus on keeping on your reaction, boys. Seriously. And fight! Yeah! Oh, putain, il est bien pour vieux. Comme il lui met la misère. La feinte en plus. Avec le Mawashi. Excellent. Donc il y a de la boxe. Il y a du taekwondo. Du UFC. On dirait de la boxe chinoise en fait. I'm tired. Donc il est fatigué, il a fait trop d'efforts. Bah ouais, il est vieux, il s'est pris pour un gamin de 20 ans. Mais en tout cas, il se bat bien. Il lui a mis vraiment une rame. Hein. It's fine, told you, did not a big guy, didn't. Non. Excellent. Hey, you're the code. Unless you, Bruno Barry, got a scrap on him, you're gonna try to finish the job with those weak ass punches. Yes. You Kamojikan, you sit this one out. I'm calling the round as your manager. Let the kid take it from here. You know what to do, don't you, boy? So hey, alright, I meet in when I say I will pay you. Ça, je comprends pas. But watching is just the mood for a quick round. Okay, right then. On the round 2 of 2 million, you'll murder Parrot. Bruno, take him. Okay, Street Dogs. C'est parti. Ah, on va avoir un nouveau style de baston, comme je le disais. You can switch the rush tide by pressing. Donc, on peut switcher pour un nouveau style de baston. Oh putain, c'est génial. Oh, c'est classe, franchement super classe. Ah, ce style de baston me convient beaucoup plus, c'est beaucoup plus rapide. Ah, c'est génial ça. Bon, j'ai pas encore l'habitude, hein. Mais franchement, il bouge trop bien, toi. Oh, 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 la pêche dans sa gueule. Comme j'ai esquivé. Oh là 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 là, la misère que je lui ai mis, quoi. Le nouveau style de baston, franchement, il déglingue sa race. Y a rien à dire. Franchement, c'est vraiment terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Blue Barley got a punch it. Just who the hell are you? Mais qui es-tu? Mon nom est Kiryu Dojima Fall. Je viens de la famille Dojima. De quelle famille êtes-vous, les gars?
Which family are you guys with? Oh, wait. T'es un Yakuza. Boss, désolé. Désolé, monsieur. On est juste, on travaille juste au Crédit Tokyo. Tiens, tiens, quelle coïncidence. J'ai juste un business avec votre boss. J'ai vraiment besoin de le rencontrer le plus vite possible. Est-ce que vous savez où il est? You know where he is right now. Le président? It's figure it bad office. Donc il est vraiment, il est au bureau à cette heure, ok. I see. Donc c'est au building time, au boulevard east, ok. Right. Ok, donc le vieux, à mon avis, on va le rencontrer assez souvent pour nous apprendre des nouvelles techniques. À mon avis, on les verra pas de sitôt. Hein. Oui. Dis-moi quelque chose. Quoi? Mais qui es-tu? Pourquoi tu m'as approché? Yeah. Les gens m'appellent Bacchus. Alors, je viens pas près de vers toi parce que j'ai faim. Le truc m'a arrivé. Ça, j'ai pas compris. Blameless Wright was kind for worth of you. What? Chat 4. Là j'ai pas compris non plus. Non. It's a punch out artist. Yes. Ok. Yes. Donc ça discute quand même beaucoup là. Hein. Well, take care of my trouble for today. I suppose I still can make you to take care of the world. The world? You're trying to recruit me for... Donc, est-ce que tu essayes de me recruter pour être combattant professionnel? Oh, non. C'est exactement ça. Tu as vraiment un potentiel de ouf. Ok, bon, ça je vais passer. Ok, ok. Ok, ok. Voilà. Ouf! Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que là j'ai eu une petite session de parlotte assez lourde, mais assez intéressante parce que bon, le gars est quand même bizarre, hein. Mais il sait se battre, hein, c'est clair et net. Hein. Donc, si vous avez aimé ce premier let's play, likez, partagez, commentez, faites comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Et si vous avez aimé et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça me ferait méga plaisir et ça aiderait grandement la chaîne. Allez, à la prochaine pour nouveau let's play. Salut, salut.